C'est une affaire de femmes, cette fois dans le numérique. La deuxième édition du Riff and Tour for Girl in ICT 2024 a pris fin récemment au CRAE dans la commune du Plateau, avec une session spéciale de jeux pour les filles en situation de handicap. Lancée depuis le 6 mars, cette campagne de sensibilisation sur le numérique initiée par le RIFEN, entendez, Réseau international des femmes expertes du numérique, visait à encourager la jeune fille à embrasser des carrières dans le domaine des TIC. Cette campagne a touché plus de 1500 jeunes filles en Côte d'Ivoire, nous disent Koné Nanorgo et Valentin Kra. Plus de 1500 jeunes filles sensibilisées sur le numérique dans les villes d'Abidjan, Grand Bassam, Bonoua et Yamoussoukro. C'est le bilan de la deuxième édition du Riff and Tour for Girls in ICT 2024, une campagne de sensibilisation sur le numérique initiée par le Réseau international des femmes expertes du numérique, RIFEN. Après plus d'un mois de sensibilisation, le Riff and Tour for Girls in ICT 2024 a baissé le rideau le mardi 30 avril avec une session spéciale dédiée aux jeunes filles vivant avec un handicap. L'inclusion numérique aujourd'hui fait partie des sujets, des questions cruciales de développement durable. On ne peut parler de développement durable, surtout en termes de durabilité, s'il n'y a pas d'inclusion numérique. Et donc nous avons décidé, dans l'inclusion numérique, de traiter l'une des composantes qui est l'accessibilité numérique. L'Union internationale des télécommunications, depuis 2003, elle est très attachée à assurer une inclusion digitale pour tout le monde et assurer que tout le monde est connecté dans ce monde digital dans lequel on vit tous, si on le veut ou pas. Et le digital, il est là. La session spéciale de jeu des personnes vivant avec un handicap a porté sur la connaissance du lexique du numérique, histoire de rendre inclusive l'initiation au numérique. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Au départ, je n'ai pas voulu compétir, mais après, j'ai dit non, que je vais partir. Ça m'a fait plaisir vraiment. Et je suis contente. Et je pense que ça m'a motivée. Cette deuxième édition du Riff and Tour for Girls in ICT, tenue du 6 mars au 30 avril 2024, a bénéficié du soutien de l'Union internationale des télécommunications, l'Union africaine des télécommunications et du ministère en charge de la digitalisation numérique.